Salut à tous, c'est Narm de retour sur Prey. On va rentrer enfin dans le cargo et essayer de voir notre ami Igwe, qu'on vient de sauver en fait. J'espère qu'il va nous donner des petits trucs sympas. Est-ce qu'on peut passer? Oui. Et on va retrouver notre chef Elazar, qui est une... qui était à la base pas contente de nous, mais visiblement maintenant ça va. Tout va bien. Zone de fret. Ok. Je peux pas passer là. Et j'ai pas tout compris. Ok. Et là, je peux rentrer. Aucun conteneur amarré. J'en ai amarré un pourtant. Ok. J'ai pas tout compris. Je pense à ce qu'il fallait que je fasse. On retourne en arrière again. Me serais-je trompé? Gérer les portes, ok. Aide, amarrage, veuillez, nanana, très bien. Et j'ai amarré l'autre. Pourquoi je peux pas rentrer là? Je ne comprends pas. 5, 6, 4, 5. On va essayer d'amarrer un autre conteneur. 5, 6, 4, 5. Amarrer. Ah! Voilà. Je suis un petit peu couillon. Mais bon, mon petit cerveau arrive à faire le... à faire les connexions petit à petit. Hein. Voilà. Je suis sûr que vous vous débrouillez bien mieux que moi. Moi, je suis totalement gland. Alors, logiquement, ah, salut. Ah, on va voir des potes. Docteur Yu. Oui. Morgan. Là-haut, c'est l'officier cool. Et où, Igwe? On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Ok. Je vais faire ça. Non. Alors, est-ce que je peux feinter? Ok. Wow. Wow, les mecs. Non. You. Ok. Je suis mort par l'ennemi invisible, j'adore. J'adore. Docteur Yu. Oui, on va Morgan. Voir. Là-haut, c'est l'officier cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon... Là, on a des ennemis. Au prix, ils vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Ok. On va faire ça. Il y a un ingénieur ici. Mais on va d'abord la jouer fine. On va détruire les mecs. Qu'est-ce que c'est ça? Alimentation désactivée. Ok. Là, on a des trucs. Donc, il va falloir que je réactive l'alimentation pour pouvoir avoir accès au recycleur. Shipping and receiving. Ok. Allez. Mettez-vous un coup là. Oh, par contre là tu me vois. Je vais te finir. Allez, allez, et allez. Au revoir. Et c'est comme ça que ça devrait être géré. Pas comme j'ai fait précédemment. Faut que je sois un peu plus professionnel quand même. Alors, voyons voir. Par où je peux faire la grimpette? Oh! Rappelez-moi de jamais vous mettre en colère. Hey. Vous avez tous tué. Laissez-moi vous ouvrir, monsieur. Non.
Ah. Donc j'avais raison de les tuer. Je me faisais chier. Ces pauvres PPN-8 sont aussi efficaces que des putains de pistolets à eau. Est-ce que je peux te tuer pour récupérer ton flingue? je suis tellement sympathique. Alors, note. Envoyer quelqu'un avec un chalumeau, il faut qu'on ouvre ses caches de fret pour voir ce qu'elles contiennent. Moi, ça m'intéresserait. Il paraît que le docteur Igwe flottait dans une caisse à l'extérieur du vaisseau. S'il y était resté, il aurait peut-être pu survivre plus longtemps que nous. Non, il était en train de mourir, en fait. Le chef Elazar va vouloir vous parler. Ok, oui. Tamiko Yashi. Pourquoi ils se ressemblent toutes, là, les personnages là? Le docteur Igwe a de la chance. Vous l'avez secouru pile au bon moment. Il ressemble à Daniel Cho. Pourquoi? Vous êtes tous des clones? Ah. Est-ce que je peux pirater? Est-ce qu'ils vont pas me tuer pour avoir piraté? Hop, 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 hop. X. Non. X. Ouais. C'est bon. Utilitaire, commande cage. Ah, ouvrir cage. Voilà. Ouvrir cage. Voilà. J'espère que je n'ouvre pas avec des bestioles. Porte extérieure soudée. Par mesure de sécurité, nous avons désactivé le décor. Incident tech non résolu. Ok, rien d'intéressant. Rapport d'incident. Il y a eu des explosions dans la zone fret. Les portes extérieures ont volé en éclats. Toutes les portes de cloisonnement se sont automatiquement verrouillées. Mais plusieurs de mes hommes manquent à l'appel. Ok. Blabla, il se passe quelque chose, personne ne me répond. Oui, bah oui, c'est un peu la merde, quoi. Alors, on va prendre quand même le psychoscope parce que il peut y avoir des petites bestioles comme ça n'a pas été ouvert. Ah, j'ai plus de place. Cool. Du coup, je peux pas recycler. C'est la merde. Très bien. Et là, il y a quoi? Il n'y a rien, très bien. On va aller voir donc. Et les machins. La chef et Lazar, c'est ça. La chef et Lazar. Kit de secours, ça je prends. Ok. Attends, il y a ton pote derrière, ça m'intéresse. Pourquoi on les voit pas en ennemi là? Parce qu'on n'est pas avec eux ou. Allez. Oh non. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. On va avancer. Hop. Est-ce qu'elle est au-dessus? Bon sang, ouais, regardez ces trucs gigotés, ça me file la gerbe. T'as rien de plus profond? Qu'est-ce qu'il profond fait? Oh mon dieu, c'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Ok. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre des docks. Merci. Ce sont les officiers qui ont rassemblé ces denrées. J'étais soin de ces choses. Non. J'avais l'impression de me regarder... Mais ma voix... Non. Ma voix était comme... Oh, c'est tous ceux que j'ai sauvés. Je voulais crier, Docteur Yu, mais j'y arrivais pas. J'aimerais de nouveau vous remercier. Cool. J'avais l'impression de me noyer. Vous vous souvenez de moi-même? Je suis le Docteur Igwe. Dayo Igwe. Tig, Raymond. Votre frère Alex m'a fait venir sur la station. Ah oui, c'est celui qu'ils ont sous-payé. Sur les neuromodes. J'en ai bien un, mais dépourvu de schéma d'aptitude. Et je le gardais au cas où. Mais c'est sans doute le moment. Tenez. Vous en ferez sûrement meilleur usage. Ok. Comment tout ça est-il arrivé? De neuromodes, ok. Ok. Par contre, c'est intéressant qu'on puisse Morgane récupérer des... Je me disais... Je sais plus. Qu'est-ce qu'on parle? Contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage? J'étais dans non, la salle vraiment, de stockage du carburant quand le feu... Rapport d'incident... Et que tout le monde s'est mis à courir. Mais il fuyait pas les flammes. Il fuyait ses formes. J'avais contenu le feu, et je tentais d'atteindre le générateur quand Hal, l'officier Rose, est venu me chercher. Heureusement pour moi. J'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de l'identité de ces choses. Tous mes collègues, ils sont morts, n'est-ce pas? Je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes? Elles ont planifié tout ça? J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas. Je pense pas. Tous les modules. C'est vraiment possible? Je ne pense pas que ce soit elle qui ait fait tout ça. À mon avis, il y a quelqu'un d'autre. Si seulement j'avais pu atteindre le générateur à temps.
Mais je pense que c'était pas... Il avait pas prévu que ce soit... Je sais pas si Wiggy, enfin le docteur Igwe, a de la chance d'être ici ou non. Il aurait peut-être été plus en sécurité dans sa caisse. Non, arrêtez de dire ça. L'avantage, c'est que dès que je vais pouvoir remettre l'électricité, je sais qu'ici, il y a des trucs à recycler. Ah, je suis full. Oui, moi aussi, je suis content de te voir. Soigne-moi. Oui. Ok, ok. Fragment d'astéroïde, tuyau. Ok, disciple de distorsion. Ça, la lecture, bon. Si un jour ça vous dit de lire, n'hésitez pas à mettre sur pause quand je les affiche, ou n'hésitez pas surtout à jouer au jeu. On va y voir. Bon, on va aller voir directement. Morgan Yu. Et Lazare. Je suis étonné de voir que vous avez réussi à fuir le labo de simulation. Oui, je suis au courant. J'ai vérifié les journaux des navettes quand les rumeurs concernant votre rétrogradation ont commencé à circuler. Ce que j'ai découvert, votre entrée dans le labo de simulation, mais aucune mention de votre sortie. Je sais pas comment vous avez fait, mais il semblerait que vous ayez réussi à vous échapper. Tout comme vos créatures, celles qui ne pouvaient pas sortir d'après votre frère. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. On tient le choc, mais c'est difficile. Ces PPN standards ne nous sont d'aucune utilité face à ces choses. Je comprends son point. Le seul moyen de revenir dans Talos, c'est de passer par la zone de Fred B. Et elle est verrouillée pour notre sécurité. Et la vôtre. Vous voulez le code? Aidez-nous à renforcer nos défenses. Ça veut dire mettre sur pied plusieurs tourelles éradicatrices. Pour ce faire, eh bien, okay. Il nous faudrait des plans de fabrication et un fabricateur en état de marche. Mais les deux sont hors de portée pour l'instant. Les plans de fabrication sont dans le coffre du bureau de la sécurité, mais il est hors de portée à cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. J'ai sauvé plein de gens. On peut pas faire mieux. Bon, ok. Donc... Ces choses trouveront bientôt un moyen d'entrer si on ne va pas les affronter nous-mêmes. Très bien. On va aller prendre le plan, je pense. Voilà, carte de la zone. Restaurer le courant. Récupérer le plan de fabrication de la tourelle. Très bien. Alex doit avoir une bonne raison de bloquer les ascenseurs. Ah, il tente peut-être de mettre la station en quarantaine. Je pense bien qu'il survivrait. Béni soient les simples d'esprit. Ça, c'est fait. Alors, on va voir. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà, on va les aider. Parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc. Il nous faut faire des défenses. On a dit qu'il fallait colmater la brèche à l'extérieur. Ok. On va aller du coup à l'extérieur pour colmater la brèche. Si vous trouvez une issue, emmenez donc le docteur Igwe avec vous. Peut-être qu'il parviendra à se rendre utile ailleurs. Ok. Très bien. Ces pistolets Transtar sont juste là pour faire beau. Ils font pas grand-chose face à ce qui nous attaque. La zone de fret, on peut pas y aller du coup. On a une chance. Non, c'est ça. Elle veut pas qu'on y aille tant qu'on n'a pas rétabli les trucs et on n'a pas mis de défense. Donc, on va aller à l'extérieur. Clé d'autodestruction, panneau d'alimentation. Ah, déjà, on a le panneau d'alimentation et il faut qu'on aille à l'extérieur ensuite. Donc, on va déjà s'occuper de l'alimentation. Comme ça, je vais pouvoir recycler et fabriquer des choses. Ouh, ça me semble bien noir là-dedans. On sait toujours pas pourquoi Alex a fait ça. Mais effectivement, je soupçonne que ce soit Alex. Ou que ce soit Alex qui est libéré. Ou fait libérer en fait les bestioles. Parce que il voulait tester ou je ne sais quoi. Les pouvoirs, en fait, les neuromodes. Je pense qu'il y a un truc dans le genre.
Veuillez contacter un ingénieur. Je fais rien. Ok. Supérieur, je t'ai vu. On va te boucher. Non, pas boucher. Voilà. Ok. Et Mimi supérieur est là. Mais bien sûr, c'est ça. Raté. Il est où? Ok, t'as glitch. Super. Super le glitch. Boum. Le circuit d'alimentation semble fonctionner. Et le fabricateur marche. Vous avez réussi. Yeah. On n'en a pas encore fini. Alors faites attention en revenant ici, d'accord? Pourquoi? Attends, il y a un opérateur là. Hein? Il y a un ennemi? Non. Non, c'est bon, il n'y a rien là, il n'y a rien. Alors. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. J'enlève l'équipe de réparation parce que je vais... Ok, d'accord, non, ça faut que je le garde. Parce que j'ai vu qu'on avait des ingénieurs. Et donc, du coup, je vais pouvoir me remettre du bouclier. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Non, y a rien là. Ok. Ingénieur. Zone de fret. Il y a un ennemi ici. Ok, je sais pas ce que c'est, mais... Allez. Voilà, très bien. Allez. Alors ensuite on va aller à l'extérieur. Il faut qu'on aille colmater la fameuse brèche. Oh merde. Ouh. Ouh, ça doit faire mal ça. On va colmater la brèche. Comment je fais pour remonter là? Ah, comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? T'es sensible à quoi toi déjà? Le tisseur. 11-0, choc psychique, ok. Choc psychique. Et boum. Très 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 cher. Allez mais... Oh, c'est pas possible. Pourquoi je prends des radiations là? Pourquoi je prends... Ah, plan de fabrication. Il est là. Code. Alors 6, 3, 2, 2. Donne. 6, 3, 2, 2. Voilà, plan de fabrication, ça c'est bon. Vous avez trouvé le plan des tourelles éradicatrices. Oui. Si seulement nous avions pu avoir ces tourelles plus tôt. Ouvrez l'œil pour trouver les matériaux nécessaires à leur assemblage. Avoir ces plans, savoir gagner la moitié du combat. Okay. Quand elles seront construites, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire contre nos nouveaux amis. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Bourbon, je peux pas le prendre. Oh, je t'avais pas vu toi. Oh, je t'avais pas vu. Ça, c'est laboratoire technique, mais non, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est... Ici. Brèche de la coque. Et comment je fais pour la fermer? Est-ce qu'il faut que je vire tous les trucs? Comment je fais pour virer le... Est-ce qu'il faut que je vire ça? Ok. Comment je fais? Comment que je fais? Brèche de la coque. Ok.
gérer les portes. Ah non, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Non. 5, 6, 4, 5, faut que je remette. Ah 5, 6, 4 et... Non. 5, 6, 4 et... Non. Désolé, hein, j'essaie de faire le plus... Alors comment je fais là pour la brèche de la coque ? Ah, c'est là. Oh là là, quel idiot. Mais quel idiot. J'étais tellement focalisé sur la brèche juste en dessous. Ok. En dessous, c'est quoi ? Objectif multiple, d'accord. Donc là, on a... Allez. Allez. Ah, il y a un opérateur là. Ce serait bien que tu me répares mon bouclier. Je suis un peu dans l'expectative là. J'aimerais bien avancer pour pouvoir. Ah voilà, d'accord. Ok. 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 On est bon. On a le plan. On a la colmatée. On a remis l'électricité. Normalement. Ah, accéder à la zone de stockage des matériaux. D'accord, ok. Ok, ok, ok. J'avais pas compris que je devais accéder à la zone des matériaux exotiques. Je dois pas les aider avant. Département psychotronique. What? Je vais sauvegarder quand même, ça fait un moment que je peux sauvegarder. Ok. Psychotronique, verrouillage de sécurité. Ok. Donc je peux pas rentrer, très bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ok. Bon. C'est pas qu'on tourne en rond, mais on tourne en rond quoi. On va retourner voir Elazar. Descendre, remonte. Alerte système. Allez. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Ok, très bien. Allez, hop, on y va. Allez. Voilà. Bon. On va essayer d'avancer, hein. C'est là. C'est un petit peu trop explos. J'aimerais bien savoir ce qui se passe ensuite. Et j'ai planté. Nous voilà de retour hein, sur Prey. Avec, après ce petit interlude où le jeu a planté. Et on ne sait pas pourquoi. Ça fait toujours plaisir. Donc on a récupéré le plan. Donc on va voir si on peut le fabriquer. Est-ce qu'on peut fabriquer tourelle portable ? Ouais, mais ça consomme tout ça. Honnêtement, j'ai pas envie d'en faire, là, les mecs. Attends. J'ai besoin de tout ça, moi. Vous avez pas suffisamment de tourelles, là? Je peux pas te la réparer, celle-là? Attends, on va la pirater d'abord. Hop là. Allez. Oh non! W. Oh, vite. C. Oui. Voilà. Là, on va les réparer. C'est bon, ça suffit? Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent dans la quête? Obtenez la clé d'armement. Non. Chasse au trésor. Placez les tourelles dans l'aile de chargement. D'accord. Donc toi je te prends. Et on va te mettre... ici. On doit bien pouvoir reconnecter quelques tourelles. Voilà. On a une. On va en mettre
J'ai vu qu'il y en avait une deuxième. Alors, on a du matos. Ici. Est-ce qu'il y a du matos? Ah, il y a celle-là. Alors, on va la péter. Parce que... parce qu'elle est méchante. Je pense que si je l'avais déployée, on se serait fait tirer dessus. Et comme ça, je vais pouvoir garder le matos pour moi. Parce que, vu tout ce qu'il y a... W. Non, non, W. Oui, oh là 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 là. 35 secondes, c'était chaud. Réparer. Et il y a deux rogers maintenant pour vous défendre, les mecs. Et vous n'allez pas m'emmerder. Hein? Et voilà. Ok. Là, c'est une tourelle de plus. Oh non. Vous êtes sérieux, les mecs? J'ai vu qu'il y avait une tourelle par là. J'ai cru voir, hein. J'ai cru voir une tourelle. Mais elle était tourelle ennemie. L'opérateur. Oh. Bonjour. Salut. Voilà, absorption des terres. Oh, qu'est-ce que c'est ça, absorption des terres? Absorption des terres, 50% de dégâts. Oh. Non, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, le choc psychique. Je vais peut-être le monter. Après... 150%. Je vais prendre ça. Et on va garder le reste. Voyons voir. Donc, il n'y a pas de tourelle ici. Est-ce qu'il y en a une par là? Non. Bon, et ben il n'y a pas de tourelle. Je sais pas pourquoi j'ai cru voir une tourelle à un moment donné. Donc je vais être malheureusement... Ah bah si, il y a une tourelle par là. Regardez. Tourelle. Elle est où? 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 Ah, elle est là. Est-ce que si je te déploie comme ça... Voilà. Si je me mets derrière, ça passe. Hop. W et allez allez et c'est yes et voilà, comme ça je garde le matos pour moi, enfin les matériaux de construction, de fabrication. Oh là là, un Roger. Voilà. N'ouvrez pas tout de suite, les mecs. J'espère que cet opérateur médical est opérationnel, parce qu'on va avoir besoin de lui après ça. On va ouvrir. Je suis pas équipé, les gars. Préparez-vous au combat. Officier Maddox, prête. Je vous laisse faire, hein. On défonce la porte ou quoi? Je vais les recycler. Ah, moi, est-ce qu'ils attendent que je leur ouvre la porte? Je commence enfin à avoir des matériaux. Ça, ça commence à devenir bien. J'ai bien fait de mettre le rendement supérieur. On va faire des cartouches. Oh là là, 15. On est trop, 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 trop. Oui. Combien je suis là avec les fusils à pompe? 63. On va faire un peu de glu aussi. Parce que la glu c'est pas mal. Est-ce que j'ai... Ils vont faire un kit de secours. On va faire de la glu. On va faire deux kits de secours. Là ça commence à être intéressant là. On va faire de la glu. Et c'est pour ça que c'est malin finalement d'utiliser la clé... la clé à molette. Enfin la clé de... La molette, oui. Pour pouvoir tuer les ennemis, puisque on conserve un maximum de munitions du coup pour les ennemis importants. Et je vais me refaire encore des cartouches de fusil à pompe parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et on va garder le reste. Yep, voilà. On va faire un peu de ça parce que ça c'est pas mal quand on tue les mimiques qui sont camouflés.
Le fusil à pompe, c'est bien. J'ai vu qu'on avait une amélioration de fusil qu'on pouvait faire. Munition max. Oui. Entrée. Voilà. Je vais monter encore. On va faire vitesse de rechargement. Et je n'ai plus de modification d'armes. Donc c'est nickel. Parfait. Tac, 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 tac. Voilà. Là, on est équipé. Là, on est bien. Et du coup, on va se faire la zone la prochaine fois. Oui, désolé. On va la faire la prochaine fois, ce sera mieux. Parce que je pense que ça va être long et j'ai plus beaucoup de temps. Donc, pensez à regarder les autres vidéos de Prey si ça vous intéresse. Pensez aussi à vous abonner si vous appréciez ma chaîne. Pensez également à me mettre un like si vous aimez ma vidéo. Et pensez également à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé de ce que vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.